Emmanuel avait cette envie de la rencontre d'une troupe. Qu'est-ce que tu crois? Que t'es le seul à éprouver une difficulté d'être? Tout le monde souffre affreusement d'être soi, Michael. Tout le monde! Il n'y a pas d'exception! C'est comme ça qu'on s'est lancé aujourd'hui dans Autopsie mondiale ou La joie de n'être rien. Un texte qu'elle a écrit donc sur Michael Jackson et Britney Spears. Ce qui est vraiment réjouissant là, c'est l'idée que y a ce désir fort chez Emmanuel et ça trouve écho chez moi, c'est-à-dire d'entrelacer ces deux activités qui n'en sont qu'une. C'est remettre l'autrice et l'écriture au cœur des théâtres vivants. Oui, Michael, abreuve-nous, arrose-nous, ton sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Au cœur de ce travail de répétition et d'élaboration, et inversement, les acteurs un peu au cœur du travail de conception. On a toujours peur que ça ôte de la liberté. Les auteurs, ils ont besoin de rester dans leur univers. Là, j'avoue qu'avec Emmanuel, c'est une grâce parce qu'elle est si libertaire, si indépendante, si puissante aussi, tout simplement, dans son univers, dans ce qu'elle raconte, qu'elle peut absolument accepter cette vie-là qui surgit et qui est désaccordée. C'est-à-dire, évidemment, un acteur n'est pas exactement la vision fantasmée d'un personnage. Elle peut, comment dire, les prendre avec elle et grandir avec ça tout en gardant son entière liberté. Ça, c'est vachement, vachement beau à voir. Les singularités de l'écriture dramatique, c'est que c'est pour être dit. Ce qui est joué n'est plus à dire. La manière dont les choses sont dites oriente un peu la manière dont on peut écrire la suite, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est ça notre rôle, c'est vraiment nous faire un peu les marionnettes de son écriture pour qu'elle puisse voir là ce qui se passe là. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'il y ait aussi dans l'écriture quelque chose qui soit plus sensoriel, de l'ordre de la perception. Je suis sûr que c'est le cas déjà dans l'écriture, mais là, c'est avec un appui concret fort, c'est-à-dire les corps. Pourquoi Michael Jackson et Britney Spears ils sont d'extraordinaires images déformantes dans lesquelles on peut se regarder, quoi. C'est des miroirs fêlés. Ils sont tous les deux des enfants maltraités. Il y a quelque chose de fort chez Emmanuel, de ce rapport à l'enfance et de ce rapport aussi à l'enfance difficultueuse comme ça. Et ils ont tous les deux des figures comme ça qui sont restées coincées dans la mue, qui n'ont jamais réussi à accomplir leur passage à l'âge adulte réellement, ce qui en fait un peu des monstres. C'est-à-dire, c'est une espèce de hyper-adolescent, quoi, maladif. Et ils sont aussi à cet endroit de bascule que Emmanuel appelle d'une certaine manière la fin de l'innocence, c'est-à-dire ils ont été des idoles et puis ils se sont effondrés. À un moment, ce qu'on mettait très au-dessus, quoi, comme des demi-dieux, est devenu un quidam qu'il fallait juger avec les mêmes critères que les autres êtres humains. Presque tout le monde a dansé sur Michael ou Britney. Et ça, dans la vie, ça prend une place qu'on met un peu sous couvert du divertissement, etc. Mais en fait, c'est des moments d'incandescence qui sont extraordinaires. La culture pop à cet endroit-là, c'est quelque chose à laquelle, je pense, Emmanuel rend, de manière très paradoxale, dissonante, etc. C'est l'aide de noblesse dans l'importance que ça a dans notre vie pulsionnelle, quoi. J'en ai marre que des traves perchées sur des talons de 12 viennent me donner des leçons de maintien. Dehors, les traves, les trans, tout ça. Je veux de la femme biologique, merci. Je suis pas transphobe. Je défends juste le territoire de la féminité. La féminité, c'est moi. Michael! Michael! Michael, arrête. Baby, can't you see I'm falling? Got like you, baby, I'm calling. It's dangerous. Oh, no. Tu disais quoi? Qu'on ne peut pas danser avec ses talons. Mais regarde. On t'aime, Michael.